Good morgen, allez, Iden, l'étude sera aujourd'hui, les Longishmad, Mourir Bishmol Ben Shlomo Zalman, Shlomo Benjamin Ben Mazal, Baruch Ben Jamil Tarab Cohen, Esther Bat Sarah, ainsi que Rafat Sarah Bat Betir Rivka, Rafael Zebulon Ben Chayam Aliya, et Miriam Bat Chassida Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de 2 Mishnah contactée des 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechet Rolin, Peribet, Mishnah Daled. Shachat et Aveshet ou Pasak et Agargeret. Oh, Shachat et Agargeret ou Pasak et Aveshet. Oh, ששחט אחד מהן והמתין לה עד שמתה. או שהחליד את הסכין תחת השני ופסקו. רבי ישבה ואומר נבלה. רבי עקיבא אומר טרפה. כלל אמר רבי ישבה ומשום רבי יהושע, כל שנפסלה בשחיטתה נבלה. כל ששחיטתה כראוי ודבר אחר גרם לה להיפסל טרפה. והודה לו רבי עקיבא. Mishnah est simple, mais juste qu'elle touche à deux sujets relativement distincts en les mélangeant. Alors on va faire un petit peu d'ordre, on va commencer en fait par la notion véhiculée dans la fin de la Mishnah, et après on va revenir sur le début de la Mishnah. C'est-à-dire le début de la Mishnah, ça va être de nous évoquer des exemples de cas de shrita ratés. Et la suite de la Mishnah va être de définir, lorsqu'on a raté cette shrita, quel est le statut de l'animal. Donc je vous introduis d'abord la deuxième partie. Vous avez déjà entendu le mot nevela ou le mot trefa. Lorsqu'un animal n'a pas été tué comme la halakha le requiert, il peut être soit nevela, soit trefa. Il y a une expression en hébreu qui veut nous dire ze nevela ve ze trefa. C'est une manière de dire que deux choses sont toutes les deux mauvaises et pas kachères. Il y a deux types de shrita manquée. Il y a d'abord, on va fonctionner dans le verbe. D'abord, une nevela. Expliquez c'est quoi une nevela. Tout animal qui meurt sans shrita, il a un statut de nevela, de bête déchiquetée qui véhicule une impureté. Elle est interdite à la consommation et aussi elle véhicule une impureté. À la différence de la trefa. La trefa, c'est un animal non viable. Il a, comme ce qu'on va ensuite découvrir dans la suite de Masechet Roulin, on découvrira différentes sortes de tréfotes. Ça peut être un trou dans le cœur, dans l'estomac, dans l'œsophage, selon des quantités, des tailles. Et en tout cas, l'animal, donc, il n'était pas viable. Puisqu'il n'est pas viable, la Torah nous interdit de le manger. Mais on a l'avantage que si on l'a tué en l'égorgeant, en le faisant l'abattage rituel, la shrita, alors on aura gagné que cet animal, il sera juste trefa et pas nevela. C'est-à-dire, il sera interdit à la consommation. Mais il ne véhiculera pas d'impureté de Nevela. D'accord ? Maintenant, entre parenthèses, maintenant on va juste expliquer le rapport entre le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah, et après on va commencer à attaquer de front le début de la Mishnah. Le début de la Mishnah va évoquer toutes sortes de shrita mal faites. On a égorgé partiellement l'animal, mais ensuite on a commis quelques erreurs. Et il va y avoir une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Yeshevav, à savoir, puisqu'on a fait quand même une demi-shrita, pas complètement. Pas une shrita convenable, mais quand même une demi-shrita. Est-ce que l'animal aura un statut de nevela ou de trefa? Est-ce qu'il véhiculera cette impureté des nevelotes? Ou est-ce qu'on dirait qu'il est juste trefa? Il y aura une discussion. Et puis maintenant, on peut commencer à étudier le début de la Mishnah, où on va découvrir en fait trois nouvelles à la situation de shrita ratée. Vous vous rappelez, on apprenait au début du Pérec dans le Mishnah Aleph, et Vel Barthénora qui nous rapportait 5 choses qui invalident la shrita, si on les a fait, qui sont Sheiya, Drasa, Chalada, Agrama, Veikur. Sheiya, c'est que l'on a égorgé en patientant, on a traîné, on avait déjà évoqué dans la Mishnah précédente. Drasa, c'est qu'on a écrasé les simanim au lieu de les trancher. Chalada, c'est ce qu'on va découvrir dans la Mishnah, dans notre Mishnah, quelle est exactement la définition. Agrama, c'est que on les a déchiquetés, on les a sciés en fait. Et Ikur, c'est qu'on les a arrachés tels quels. On les a déconnectés de leur. Puisque c'est deux conduits, la trachée artère et l'œsophage, eh bien, si on prend un des deux conduits et qu'on le tire, on le coupe de sa source, ouais, d'accord, on a l'œsophage qui relie à la gorge, qui relie de l'autre côté à l'estomac, on l'a arraché pour le déconnecter, pour le déchirer. C'est ce qu'on appelle le ikur, et ce qu'on va voir tout de suite dans la Mishnah. Et on commence. Shachat et aveshet, ou pasak et agargeret.
Si il a égorgé, il a commencé à trancher le véchette, l'œsophage, mais qu'ensuite, passak et d'agargueret, c'est qu'il a arraché, il a comme un tuyau qu'on arracherait de sa source, il a arraché comme ça la gargueret. La gargueret, c'est le canet, c'est deux synonymes, et c'est la trachée artère. On parle donc d'un animal où il faut nécessairement couper les deux simanimes, il faut trancher les deux simanimes, le canet et le véchette, trachée artère et l'œsophage. Lui, il a fait le premier comme il se doit, et puis après le deuxième, au lieu de le trancher, il a joué avec lui, il a tiré comme ça, il a déconnecté de sa... il a débranché de sa source. D'accord ? Donc, shachat et aveshet ou pasak et agargueret, il a tranché l'œsophage, puis ensuite il a tiré la gargueret, la trachée artère, ou il a fait le contraire. Oh, shachat et agargueret, il a commencé à trancher la gargueret, comme il se doit, et ensuite pasak et aveshet. Lorsqu'il atteint l'œsophage, au lieu de le couper, il a préféré le tirer. Ou encore, oh, shachat echad mehen, veimtin la achemeta. Ou encore, il a commencé à trancher un. Et puis après, au lieu de couper le deuxième, il est resté jusqu'à ce que l'animal est mort tel quel. Ou encore une autre situation, c'est qu'il a tranché le premier, il a regardé, c'est un peu plus vicieux. C'est que réellement, il va trancher les deux. Mais de quelle manière? Le premier, il le tranche comme il se doit. Et puis après, il est déjà maintenant en plein milieu du cou de l'animal. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait passer le couteau par en dessous. Il va le trancher, il retourne le couteau, il le tranche par l'envers, maintenant en revenant vers lui. Ouais, vous avez compris comment il fait? Imaginez que j'ai la face de l'animal qui est là devant moi, donc il y a ici les deux conduits. Le premier, je commence, c'est un peu dur, j'ai les mains envers, mais c'est pas grave. Le premier, je le coupe comme il se doit. Le deuxième, au lieu de continuer à le couper comme ça, de face, je fais passer mon couteau en dessous, par en dessous, et je vais le couper maintenant de manière à ce que je vais le trancher et ramener le couteau vers moi. C'est ce qu'on appelle chalada, comme ce qu'on appelle une chulda, une taupe. Qu'elle va, qu'elle se cache sous la terre, elle creuse je ne sais plus comment ça dit, bref. D'accord, on s'est compris. Donc elle passe comme ça sous la terre. Eh bien, on a fait la même chose, on a fait une chalada, c'est que c'est pas, ça ne vient pas du mot rouillé. La chalouda, en hébreu, ça veut dire rouillé. Là, ici, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Là, on parle de quelque chose qui se faufile par en dessous. Donc c'est le nouvel interdit qu'on appelait chalada, c'est la première fois qu'on le rencontre. Jusqu'à maintenant, dans la Mishnah, on a parlé de Ikur, c'est le dernier qu'on a dit des sources, les cinq noms qu'il y avait dans le Barthénois là-haut. Sheya, Adrasa, Chalada, Agrama, Ikur. Le premier qu'on a dit qu'on a arraché, c'est ce qu'on appelait Ikur. Le deuxième qu'on a évoqué, c'est qu'on a été Shohé, on a fait Sheya, on a patienté. Là maintenant, on est en train d'apprendre Chalada, c'est qu'on a coupé les simonimes par en dessous. Et en réalité, le Tiferet Israël rapporte ici qu'il en va de même, même si on ne passe pas par en dessous en fait. Si le couteau qui coupe, il doit faire le rapport entre l'extérieur et l'intérieur, vous allez me comprendre, il y a le titre de la porte, le cas où par exemple, j'ai incisé le cou, la peau de l'animal, et j'ai fait entrer mon couteau par en dessous, et j'ai coupé les simanimes. Au lieu de trancher franchement le cou, j'ai fait passer le couteau par l'intérieur, j'ai fait une opération chirurgicale parfaite, et je le fais la shrita parfaitement, j'ai tranché les deux simanimes, et bien c'est aussi pas soul à cause de chalada. Il faut nécessairement avoir le couteau qui va maintenant décapiter la tête complètement. Décapiter la tête en tranchant, bien sûr. Ok ? Donc, pour ces cinq cas de figure évoqués, donc ça nous fait 4, pas 5. Alors, pour tous ces cas de figure, Rabbi Yeshevav Omer, Rabbi Yeshevav, c'était son nom, c'était un des Asara Rogemalchut, Rabbi Yeshevav, lui nous dit Rabbi Yeshevav, Nevela, ben l'animal il est Nevela, ça s'appelle qu'il a été déchiqueté, il n'a pas été tué par la Shrita. Tandis que Rabbi Akiva nous dit qu'il est Trefa. Non, il a un statut de Trefa. Il est mort par la Shrita qui va au moins lui lever l'impureté de Nevela pour lui donner un statut de Trefa. D'accord ? Il y a même aussi une conséquence. C'est que ce deux interdits différents dans la Torah. Si quelqu'un qui mange, pas kasher par exemple, si on voulait le prendre pour l'amener au Bedin pour le frapper, parce que tout celui qui transgresse un interdit de la Torah, il est passible des 39 coups. Il faut nécessairement l'avertir auparavant et l'avertir en lui disant l'interdit de la Torah. Il y a encore une différence à savoir ce que c'est une Nevela ou Trefa. Si quand la personne va manger, on lui dit hey, tu n'as pas le droit de manger une Nevela ou tu n'as pas le droit de manger une Trefa. Si je lui dis, si le statut de l'animal c'est d'être une Nevela et je lui dis Trefa et je l'amène au Beddin, eh ben on va pas le frapper parce qu'il n'aura pas transgressé en ayant été averti selon l'interdit qu'il fallait. Une deuxième conséquence,
C'est évoqué, si je ne me trompe pas, je l'ai vu dans le Melechat Shlomo, je pense. Oui. Melechat Shlomo, il évoquait ça. Donc, en tout cas, maintenant, je reviens. Donc, on a une marloquette entre Rabbi Yeshevav et Rabbi Akiva. Rabbi Yeshevav nous dit, c'est une Nevela, tu n'as pas fait la Shrita. Donc, c'est une Nevela. D'accord ? C'est pas comme une tréfa où tu as fait la shrita comme il se doit, mais que l'animal il a un autre problème, c'est qu'il n'était pas viable. Là, tu n'as rien fait. Tandis que Rabbi Akiva nous dit qu'elle est tréfa. Klal Rama Rabbi Yeshevav, Mishum Rabbi Yoshua. Telle est la règle que Rabbi Yeshevav nous enseignait au nom de Rabbi Yoshua. Kol Shenifsela Bishritata Nevela. À chaque fois, tu verras un animal qui était normalement constitué, mais que l'on a tué, qu'on a fait la shrita. Mais pas convenablement, eh bien l'animal devient Nevela, il prend un statut de Nevela. Et c'est quand qu'on a la tréfa, c'est quand Kol Shishritata Karaoui, chaque fois que tu as égorgé, tu as tranché les simanim, les deux conduits, comme il se doit. Vedabaracher garam la leipasel. Et autre chose, une cause externe, a fait que l'animal n'a pas été permis à la Shrita. Alors là, dans ce cas-là, c'est tréfa. C'est ça ce qu'on appelle, là ça devient un cas de tréfa. D'accord ? Vehodalo, Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva lui a reconnu, finalement, il est revenu, il a dit, il a tranché la lachakon, Rabbi Yeshevav, que l'animal est Nevela. D'accord ? Pour qu'on, juste, si on veut comprendre malgré tout, quelle était la pensée initiale de Rabbi Akiva. Alors, il y a une recherche qui nous propose deux éventualités. Première éventualité, c'est de nous dire, puisque finalement, égorger un siman, c'est quand même considéré comme une tréfa pour les volailles. Alors, c'est en soi-même une bonne raison de dire que l'animal, maintenant, il a une shrita, mais pas convenable. Donc, ça va faire qu'elle va prendre un statut de tréfa. Deuxième solution aussi, c'est de dire que c'est toujours déduit des volailles, mais pas par logique, mais plutôt par juxtaposition dans le verset, qu'on apprendrait éventuellement dans le Luchot du Mauvais Tahara. Mais quoi qu'il arrive, Rabbi Akiva, il est, finalement, il a été Choser Bo. Il est finalement enseigné à l'Alacha comme Rabbi Yeshevav, que tant que l'on n'a pas fait la shrita comme il se doit, donc les cinq cas de figure, Sheiya, on les avait, Shriya, Drasa, Khalada, Agrama, Veikur, entre parenthèses, je me suis trompé de Bikur, je vous ai dit que Agrama, c'est quand on arrache, c'est faux, ça c'est Ikur. Agrama, c'est quand on a tranché, mais pas dans les sept vertèbres, mais plutôt au-dessus, ou en dessous, au-dessus. Au-dessus, c'est qu'on est rentré dans la tête. Ça, c'était le cas de Agrama, on l'avait appris dans le Perek Aleph. En tout cas, pour tous ces cas de figure, puisque tu as mal fait la shrita, l'animal sera toujours né là. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.